Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 15 ans, je suis au scout à Dion-Valmont et je suis ici pour vous parler de l'association TACRIST qui est active au Sahara dans le nord du Mali. Quel est le projet que vous présentez au prix de la nuit africaine? Le projet qu'on présente à la nuit africaine, c'est de faire les potagers, c'est de pousser les légumes au Sahara et changer le concept de l'alimentation de la population, de la communauté qui vivent là-bas. Et leur plat traditionnel, c'est de viande et de lait, c'est de changer avec un plat de légumes et donc de faire pousser les légumes au désert. Quelle est la problématique sur place? L'eau, c'est très rare au désert. Pour accéder à l'eau, il faut creuser minimum 100 mètres de profondeur. Et ce qui n'est pas possible pour faire à la main. Donc il faut faire appel à un entrepreneur ou une entreprise de faire les forages. Avec quelle population travaillez-vous sur place? La population qu'on travaille avec, c'est des populations Touareg. Touareg, c'est un peuple nomade qui vit au désert, au Sahara. Ils vivent avec leur cheptel, leurs animaux. Si vous gagnez le prix, qu'allez-vous faire avec l'argent? Si on gagne le prix, on va encadrer les femmes qui ont cette idée, ce projet, les potagers, de faire les potagers. Et c'est aussi acheter les matériaux qu'il faut pour ces potagers, comme la brouette et d'autres rasoirs ou bien des tuyaux goutte à goutte et d'autres matériaux qui sont nécessaires pour faire ces potagers. Si vous voulez soutenir ce projet et l'association TACRIST, allez voter sur le site www.nuitafricaine.org.